Kra, sachant qu'il va vouloir vraiment... Oh, attends, mais Kra, en PvP, c'est souvent terre, non? J'ai envie de te dire que le feu trompe la mort, c'est encore une fois le bon choix. Il a trop de Rizzy, en fait, genre. Pour que j'ai dû... Pour que je... Quand c'est en Zamodas, j'utilise le mode O, parce que c'est servitude, croco, tout ça, et c'est vachement sympa pour les invoques. Et sinon, c'est les modes R et Terre que j'utilise le moins, je trouve. Bon, c'est un Kra, la map est grande, donc je vais prendre projection quand même. Un forge lave, ça ferait pas de mal. Peut-être même à la place... Ouais, à la place de la pre-tech. Grand Torino. Ça me parle, mais j'ai pas la ref. Ok, merci de ta réponse. J'ai déjà mon Zobal au petit terre de crit en Dagili. Je pensais jouer Sacri en distance. Eh bah, parfait. Voilà, Sacrio. J'ai une monture, regarde. Grand Torino, c'est My Hero Academia. Ça doit être pour ça, alors. J'ai regardé il y a longtemps. Bon, du coup, le monsieur est punitive expiation. Donc, je crois que j'ai vraiment bien fait. Regardez les résistances de ce mode. Hein. On reste en plein milieu, on a un petit... Ah! Le truc que je viens de voir sur moi, là, c'était Vendetta? Ouais, je me suis Vendetta la gueule. Ok, ok. Regardez ça ici, parce que s'il me repousse et qu'il part comme ça, ça me fera un... Ouais, merci pour le shield. Repousse-moi encore, si tu veux. D'ailleurs, c'est œil pour œil, hein, là. Œil pour œil, c'est le truc qui fait que si à chaque fois que je vais le taper, je vais reculer. Bon, j'ai pylori en cas de besoin. Il va me faire beaucoup de retrait, c'est le mode qui a le plus de résistance au retrait. Donc j'espère que ça va proc un peu. Il a rien pour ce soin, lui, hein. Dommage. Oh non, il m'a volé de la portée. Ouais, y a pas de souci, Eisenhower, ça s'affiche pas, effectivement. Tu fais bien de demander. Le mode feu pour Sacri, c'est un peu l'équivalent du mode eau. Moi, perso, je préfère le mode eau en PVM. Mais le mode feu est très bien aussi, hein, faut pas croire. Ça va commencer à être compliqué, ça, attends. Le monsieur, là. Ça me fait 6 PA. Faut me retrouver ici. Ouais, ça vaut le coup, en vrai. Merde, le con, je suis pesanteur. Oh, ah oui, bah oui. Bah écoute, on va se soigner là-dessus. Je peux dire. Ne viens pas me taper. Ouais. Merde, j'avais pas vu la pesanteur. J'ai lu le chat entre deux et j'ai pas vu qu'il m'avait fait un spell. De toute façon, ça se voit au-dessus de ma tête. Mais, expiation. Du coup, il m'a pas expiation, moi. Il attend d'avoir la grosse expiation, histoire de me surprendre, je pense. Le retrait, ça va pas être facile, ça, hein, pour moi. Pourtant, j'ai quand même de la résie, hein, au retrait. Ça va commencer à être compliqué, hein. Si je libé et que je riposte... 1, 2, 3, 4. J'ai pas trop le choix, hein. Je vais riposte. Ou alors non, je vais fulgu. Parce que si je riposte, faudrait que je puisse le riposte lui, genre. Une fois. Je sais pas ce qu'il est capable de me faire, mais je préfère quand même me multi maintenant. Le 1003, franchement, sur un gros tour, ça se trouve, il a... Ça se trouve, il joue un cac de fou, genre en mode double dagili. Genre, je sais pas, tu vois.
Il me lance une grosse punie, il rush cac, il me met double, double dague. Ça aurait pu être dangereux. Est-ce que les sacritaires sont toujours viables? Il m'a représailles, très bien. Monsieur m'a représailles. Hein. Quand même pris Bagdad. Hein. Alors, il m'a représailles, mais en même temps, je peux le riposte. Est-ce que je le riposte fin de tour? Toujours pas mal de points de vie, merci pour le shield. C'est dur hein, contre un Kra, en plus la map elle me permet pas spécialement de beaucoup me déplacer. Ok du coup mon riposte fait effet. Après je vais, par... je vais perdre 100 PM là non. Waouh, moins 3. C'est dur hein, merci. Est-ce que je perds 100 PM maintenant du coup? Il doit avoir acquitté le monsieur, non? Le problème, c'est que j'aurais bien pris cette place-là, parce que comme ça, j'aurais pu faire une zone avec l'épée dansante. Mais en même temps, c'est cette place-là que je préférerais avoir. Ah, je peux faire une zone quand même, je suis con un peu. Faire comme ça. Je pense qu'il joue à cuité, je l'ai pas vu faire de tir éloigné. Ouais. Donc là on est sur un tour 7, donc son expiation et l'autre flèche, la punitive, sont chargées. C'est là que j'aurais dû garder ma mutile. Après il me tue pas. Après attends, j'ai le poison, hein. J'ai le poison. On pack 200, il saute quand? Il saute pas maintenant, mais j'ai le poison qui me tue. GG à lui.